Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Stardew Valley. Donc j'ai toujours un souci pour aller chez Robin. Donc on peut toujours rien construire. J'ai tenté de lancer une nouvelle partie. Je suis allé chez Robin pour essayer de vouloir construire un nouveau bâtiment et ça a crash. Donc du coup ça veut dire que pour le moment on peut pas aller chez Robin et on peut pas construire d'autres choses pour avoir d'autres animaux etc. Donc là on a la visite de Pierre, donc bonjour Hello, alors ta première année à Stardew Valley est presque finie. Hein, oui bien évidemment. Si tu continues de te fournir chez moi tu seras encore plus productif l'an prochain. Et j'ai une très bonne nouvelle. Je vendrai de nouvelles espèces l'an prochain, une de plus par saison. Bien, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne journée. Et bye bye, Pierre. Ah, il n'a pas fini. Tu sais, à ta place, je n'essaierai même pas les graines de mes concurrents. Les graines de Pierre sont les meilleures que tu ne trouveras jamais, je peux te l'assurer. Bah, si tu le dis, écoute, Pierrot, on va te croire. Donc voilà, comme je vous disais, donc on peut toujours pas aller chez Robin. Donc si parmi les gens qui regardent la série, vous, il y en a un qui joue à Stardew Valley, dites-moi si vous avez ce souci. Parce que j'arrive pas à comprendre, j'ai essayé de chercher sur internet et tout, et sur internet j'ai rien trouvé par rapport à ça, donc du coup je suis un peu coincée. Demain nous nous rassemblons devant le ranch de Marnie pour le festival des glaces. Nous fêtons l'hiver, il y aura des bonhommes de neige, des sculptures de glace et un concours de pêche. Arrive entre 9h et 14h si tu veux participer, le maire Lewis. Ok, bien monsieur, bah, on ira voir ça. Donc voilà, je suis un petit peu coincée au niveau de chez Robin et du coup j'avoue que ça donne moins envie de jouer du coup parce que automatiquement ça freine les choses. Non. Oh, trop bien, un igname des neiges. C'est ce qu'il nous faut pour faire les graines d'hiver. Oh, c'est trop cool. Oh, trop cool. C'est génial. Hop. Oh, ça, j'en ai déjà des racines hivernales, mais écoutez. Salut Marguerite. Alors moi, je sais toujours pas comment on l'attrait, rien du tout. J'ai pas vu de trucs spéciaux sur internet par rapport à ça. Donc c'est vrai que du coup, je suis un petit peu en mode, je ne sais pas. C'est vraiment ça. Alors, attendez. On va enlever ça, ce qui va faire qu'on prenne du foin. Pour pouvoir nourrir les poulettes. Hop, salut toi. Elles ont l'air d'aller bien, nos petites poulettes en tout cas. Tranquillou. Allez, salut les poupoules. On va pouvoir mettre nos premières plantes d'hiver. Oh, c'est trop cool. C'est trop bien, on va pouvoir progresser. Donc du coup, j'ai ça, je prends ça et je prends un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Du coup... Et on va prendre de la sève aussi. Non, tu manges pas ça. Parce que vous allez voir. Alors, artisanat. Donc, voilà, on fait nos 10 graines sauvages. Et voilà, vous voyez, fertilisant avec de la sève, améliore légèrement la qualité du sol, augmente vos chances d'obtenir des plantes de qualité. Donc, je me dis, pourquoi pas. Hop, de la sève, c'est pas comme si on en avait pas. On va faire nos œufs. Et je pense que du coup, on va aller à la mine après. Parce que malheureusement, on n'a pas trop le choix. Et la dernière fois, on avait eu de l'or. Donc, ça serait cool qu'on en ait davantage. Pardon, je suis en train de galérer pour parler. Comme ce n'est pas permis. Hop. Hop. Alors, 7, 8, 9 et 10. Donc, on va d'abord mettre le fertilisant. Sinon, on sera arnaqué. Notre chien a l'air de se plaire à l'hiver. Écoutez, ma foi, pourquoi pas. Alors vous voyez, là on voit déjà que les graines elles ont pas toutes la même couleur, donc comme quoi avec le fertilisant ça fait quelque chose. Donc là on arrose, mais le lendemain on en aura juste deux arrosés la prochaine journée, vu qu'on a le petit arroseur là. Bon, ça m'a l'air bon ça. Bon écoutez, c'est parti, on va aller à la mine parce que voilà, comme je vous ai dit, chez Robin c'est toujours buggé. Donc ça m'enquiquine pas mal, mais voilà quoi, on a hâte le choix j'ai envie de vous dire. Non, en l'occurrence. Donc voilà, on va s'occuper comme on peut. Donc après, c'est la fête des glaces. La deuxième journée, donc on verra ce qui va se passer. Écoutez, hein. Hop, allez cocotte. On y va. Je vais mettre les Jojo Cola là, je vais mettre ça là. Parce que dans la mine, ça va être plus corsé, je pense. On va commencer à descendre beaucoup plus bas. Et je crois que ça va craindre le pâté. Oh vous voyez les dévers là, bon tant pis, c'est pas très grave. On va essayer de descendre de 5 niveaux, écoutez. Je vous garantis rien.
80. Allez, c'est parti. Alors, il y a une caisse. Yes. Alors, est-ce que c'est de l'or, ça? Yeah, c'est de l'or. Et il y a un bestiau là-bas. Je descends. Je sais pas ce que c'était, ce truc. Ah, un slime rouge maintenant, vu qu'on a changé d'atmosphère au niveau des grottes. Oh là là. Est-ce que je vais prendre cher à cause de ce slime? Allez! J'ai l'impression qu'il prend moins cher que les autres avant. Est-ce qu'il a plus de résistance? Je sais pas trop. Alors, qu'est-ce qui se passe par là? Là, j'ai l'impression que c'est un nouveau bestiau. Ma foi, on a de l'or. C'est plutôt bien. Bon, de la serre, écoutez. Prendre la batte. Oh, une carotte. C'est quoi ce truc? Ils font assez mal, là. Wow. La difficulté, elle est pas la même du tout, hein. Ah ouais. Wow. Mais c'est quoi ce délire? What? Oh, j'ai trop peur. Oh, j'ai trop peur de clapser. Hein. Wow. Ah, la difficulté des mines, elle va être... Wow. Donc là, j'ai de quoi faire deux lingots. Oh, maintenant, il faut qu'on trouve une sortie. Oh, wow, la difficulté des mines, mon dieu. Ah, oh, ça me rapporte quasi rien en santé. Un jojo là. Oh, faut qu'on trouve quelque chose pour notre santé. Parce que franchement, on va galérer. Comme c'est pas permis là. Du coup, j'ose pas trop m'approcher du bestiau là-bas. Parce que quand je vois la difficulté avec les chauves-souris. Wow. J'ai une défense pendant 6 minutes. Donnez-moi vite une sortie. Mais ça craint les mines là maintenant. Ah, une nouvelle géode. Bon, du bois. Wow. Oh, il y a un slime. S'il me voit pas, ça va, mais là-bas il y a un truc. Est-ce que je m'approche de lui ou pas? Oh, j'ai trop peur, je vous jure. Ah, il y a un champignon. J'ose pas trop m'approcher de la bestiole qui était là-bas. Ah! Hello, hello! Allez, viens, toi! Cool, ça m'a ouvert une sortie. Bon, je vais pas ouvrir les caisses. On va pas être gourmand. On va vraiment faire gaffe.
Des champignons, c'est fou. Je sais pas s'il y en a qui me faut pour la quête des Géminos, je me souviens plus. Alors, c'est quoi ce truc rouge? Du rubis. Je sais pas trop à quoi ça va nous servir, je vous avoue. Alors, on continue. Doucement mais sûrement. On va vraiment faire gaffe. On est au niveau 84. En vrai, j'aimerais bien encore trouver un niveau. Histoire de... Voilà, être tranquille. Avoir sécurisé le truc. Oh là 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 là. Et ça fait peur, hein. Quand je vois les chauves-souris, comment elles m'ont fait mal. Bon, je casse du caillou pour essayer de voir s'il n'y a pas une sortie, hein, bien évidemment. C'est pas juste par plaisir. Ah, il y a une sortie, nickel. Mais avant, on va faire le tour. Ah, nickel, il y a de l'or. Il y a des champignons. Ah, ça me fait flipper, je vous jure. Bon, de la sève. Allez, on va descendre. Oula! Ouh, je l'ai tué, ça va. Il va falloir... Ah ouais, non, mais il va nous falloir masse bouffe, en fait. Quand on va descendre dans les grottes, maintenant. Oh la vache! Je vous jure, je m'attendais pas à ça. Il y a un slime là-bas. Il y a plusieurs slimes. Il faut qu'on casse les cailloux parce que là, je vois pas où est la sortie. Je pense pas que ça... Oh. Non, ça va pas ouvrir de sortie. Ah! Et j'ai un crabe. Ok. Ok, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Je tue ce machin-là, je suis un crabe, tout va bien. Allez, tourne-toi, bon sang. Des fois, elle veut pas se tourner, hein. Alors, attendez. Avant de descendre... Bon, il n'y a pas l'air d'avoir d'or par là, donc on descend. Sortir de la mine. Donc là, on atteint le niveau 85. C'est ça. Donc c'est bon, on est descendu 5 niveaux. Donc on a bien vu que ouais, c'était pas la même difficulté, quoi. Clairement, ça craint le pâté, hein. Là, wouh. Alors. Hello, tu sais plus où tu pas, là? Ah voilà, c'est chez Robin, c'est là. Donc ouais, dommage que chez Robin, ça déconne toujours. Parce que du coup, bah, on est un petit peu coincé dans notre progression. Mais voilà quoi. J'espère qu'à un moment donné, ça va être corrigé. Ah, il y a un ver de terre là-bas. Une cuillère rouillée. Non mais, n'importe quoi. N'importe nawak là, franchement. Bon, bah on en aura chié dans les mines, hein. Là, franchement, wouh. Allez, cocotte, avance. Elle est longue. Ah, 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 ça, on ramasse. Attendez, j'ai eu du charbon. Ouais, j'en ai eu. Donc, du coup, je vais pouvoir mettre la cuillère. Yes! Ah, j'en avais déjà eu une la dernière fois. Donc ça, j'en avais déjà eu. La pierre, le cuivre, le quartz, on le range. Ça, on le range. Les ailes de chauve-souris, j'en ai 15 000. Je ne sais pas à quoi ça va me servir. Ah, c'est un artefact à amener à Gunther.
Oh, pain étrange, cuisine sans énergie, 44 de santé. Pas mal. Sympa bonheur ça. Alors, ça orange. Peut vous en dire plus. Ah, ok, il faut donner au musée. Essence du néant, butin du monstre. Bon, tout ce qui est champignons, on va les garder. Très clairement. Le crabe. Ouais, on va le garder aussi pour l'instant. Donc ça, c'est pour pouvoir faire des plantes hivernales. Donc du coup, on a deux trucs à amener à Gunther. Le rubis et la cuillère. Voilà, il nous faudra 4 charbons. Donc c'est bon, on va aller dormir. Ta-ta-ta. Bon, bah écoutez, c'est pas mal, mais on a vu clairement qu'on n'était pas d'attaque pour affronter ce qui allait nous attendre. Hein. Ah, niveau combat 5, choisissez une profession. Bagarreur, toutes les attaques infligent 10% de dégâts. Éclaireur, chance de coup critique augmentée de 50%. Moi, je dirais quand même que bagarreur, c'est plus intéressant parce que plus 10% de dégâts que les coups critiques, je sais même pas à quel moment ils se font. Donc moi, par choix, je prendrais bagarreur du coup. Voilà. Alors du coup, c'est à 9h l'événement. Devant chez Marnie. Donc moi, ce que je vais faire là, c'est faire cuire tout ça. Donc, on a les trois minerais. On va les déposer au centre communal. Ça, vous voyez, c'est pareil. Ça va amener à Gunther. Ça, c'est le butin du monstre. Alors j'avoue que je ne sais pas à quoi ça pourra nous servir, donc je vais le garder. Alors j'ai regardé, donc ouais, il nous faut un champignon violet au niveau des... Et il nous faut une crocus, donc on va en mettre une aussi au niveau du centre communal, et il nous faut ça. Donc on est bon, donc on va aller voir nos petites poulettes. Parce qu'il faut qu'on pense à avancer au niveau des quêtes des Géminos malgré tout, quoi, mais ouais, c'est un peu... C'est un petit peu compliqué du coup avec l'histoire avec Robin, là que ça déconne. Non, je veux récupérer l'œuf. Alors, tac. Non. Ah, 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 ah. Hello. Mais non, je veux pas parler à Gertrude, je veux prendre du foin. Mais. Ah, voilà. Voilà les copines, vous avez à manger. D'accord. Hello, tu fermes après être sorti, ça serait pas mal. Ok, de l'argile, super. Et j'ai entendu le four. Ah, bah j'ai rêvé. Et l'eau a craqué, super. Je vais me faire les petites omelettes. Il faut qu'on aille voir Marguerite. Ouais, donc il va falloir un max de bouffe pour pouvoir descendre dans les grottes. Ça craint tout ça. Ah, 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 ah. Il faut qu'on arrose les deux petits plants. Voilà, nickel chrome. Il est en train de roupiller dehors, je sais pas comment il fait. L'autre, il y a de la neige par terre à moitié, mais lui, il dort par terre, tu sais. Tout va bien. Hop. Non. Hello, pourquoi tu fais pipi là? Ça va pas, ça? Non, mais. Tu te crois où là? Bon, une mûre. Ça me servira que dalle. J'aurais préféré avoir une grenade. Pour la quête des Géminos. Bon, on va passer vite fait au centre communal avant d'aller à leur petite fête là. Non, je veux pas la manger. On la met à vendre. Allez, hop, c'est parti. On va passer au centre communal avant tout. Ah, ça je ramasse, je vais le vendre. Je vais y aller, mais avant je passe au centre communal s'il vous plaît. Je vais déposer mes petits trucs. Histoire d'avoir l'impression d'avoir avancé dans quelque chose. Parce que là, ouais. Ça va être problématique, l'histoire de Robin. Voleur! Oh! Tu m'as eu! Désolé, prends, prends. Ça avait l'air si précieux, je n'ai pas pu m'en empêcher.
Ok. Vous obtenez la loupe. Vous pouvez désormais trouver des notes secrètes. Ces notes contiennent des informations rares et utiles et peuvent être consultées dans l'onglet collection. Ok. Comment il se barre, j'adore. Ok. Ah bah, pas mal. Super! On l'a vu, ce biniou! Trop cool! Toulou, 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 toulou. Non, je veux pas manger le hou. Ah là, le champignon. Hop. Et après, je crois que c'est là-bas. Dans la chaufferie. Tac. Ouais, paquet complété. Qu'est-ce qu'on va avoir comme récompense, du coup? Ouais, une forge. Bon, on en avait déjà une, écoutez, mais bon. Ah, il y a le crocus aussi. Alors lui, il va où par contre? Je ne sais pas. Alors attendez, faut qu'on trouve où va le crocus. C'est pas ici. Alors là, je crois que c'est les paquets à acheter ici. Allez, on fait celui-là. Gâteau au chocolat, 150 d'énergie, 67 de santé. Wow. Ah, c'est fort, ça. Alors, où est-ce que c'est l'histoire du crocus, du coup? Parce que j'ai checké, du coup, les... Un peu, les paquets. Avant de vous reprendre, histoire de prendre tout ce que j'avais chez moi qui aurait pu être intéressant pour ici, vous voyez. Et bah c'est là. Donc la prochaine fois qu'on a un igname des neiges, il faut qu'on le garde pour pouvoir faire ça. Parce qu'il faut vraiment qu'on fasse la quête des Géminos pour que les salles soient faites. Là vous voyez, c'est la dernière, c'est le dernier paquet. Donc en fait ça veut dire que la pièce après sera réparée. Donc ça pourrait être vraiment cool. Bon allez c'est parti, on va aller devant chez Marnie. Ah, mais il y a un crocus, nickel. Allez, on va aller chez Marnie. On va descendre par là. C'est jusqu'à 14h. Dépêche-toi, Hello. Cours, 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 cours. Un autre bouquin, ok. Encore un crocus. Toulou, toulou, toulou. Allez, 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 allez. On descend plus bas. Tu vas me dire qu'on a loupé le truc parce qu'on n'y est pas là à 9h pétante. Salut! Hello! Bonjour! La forêt est belle en hiver, n'est-ce pas? Bah ouais, c'est sympa. Comment se passe l'hiver pour toi, Hello? Bah pas trop mal, écoute. Si j'ai froid, non, j'attrape jamais froid. Super. Hey, Hello, tu participes au concours? Non, j'ai pas le temps. Alors, on va voir Robin. Tenez. Désolé, mais sculpter sur ces parapets de glace requiert toute mon attention. Parapet de glace, ok. À la glace, une belle matière à sculpter, mais c'est éphémère. Bah, tu m'étonnes. Dès qu'il fait beau, c'est fini. Je m'inscris au concours de pêche aujourd'hui, pourquoi pas? Bah, si t'as envie, vas-y, hein. Faut te plaise, hein. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais probablement arrangé une pizza partie au saloon à la place de ce truc. Ma femme m'a traîné dans le froid juste pour ça. Bon, toujours aussi agréable, Georges. Evelyn, est-ce que je t'ai déjà raconté comment Georges et moi nous sommes rencontrés? En fait, il m'a lancé une boule de neige pendant un festival de glace. Oui, donc c'est pour ça au final qu'elle voulait l'emmener, pas par souvenir. Je ne suis pas très créative pour les bonhommes de neige. Comment trouves-tu mon bonhomme de neige? Bon, il est sympa, écoute. Sympa et efficace. Quel genre de bonhomme de neige allons-nous faire? Classique, nez, carotte, fantaisie, antenne, stalactite et yeux, pommes de pin. Les bonhommes chenèges, tourneuses, sort des sentiers battus. Ouais, moi j'irai fantaisiste. Ok, ça a l'air sympa. Alors, Caroline. Ah non, c'est Willy. Wow, ce bonhomme a besoin d'être arrangé.
Qui a fait ça? Pam, j'ai bien l'intention de gagner le concours. Eh ben écoute, fais-toi plaisir, cocotte. Les bonhommes de neige, c'est cool, mais j'attends le printemps avec impatience. Ouais. Hop. Bon, on a parlé un peu avec tout le monde, écoutez. Il est où, Lewis, là? Lewis, t'es où? Ah, il est là. Bienvenue au Festival des Glaces. Ouais. La compétition de pêche sur glace est sur le point... Et le point culminant, pardon, du festival d'aujourd'hui. Nous avons mis en place le lac glacé et l'avons rempli de poissons. Préviens-moi si tu veux y participer. Alors, ta canne à pêche et toi sont prêts? Ouais, on va dire ça. Bon, on va faire mon truc préféré dans ce jeu, hein, n'est-ce pas? Bon, tout le monde, nous allons débuter la compétition de pêche de cette année. Ok. Participants, votre but est d'attraper autant de poissons que possible en utilisant les cannes à pêche prévues à cet effet. Vous n'avez que 2 minutes. Les poissons doivent être pêchés là, dans ces trous de glace. Bien, tout le monde est prêt. C'est parti. Ok. Alors là, mon personnage refuse. Ah d'accord. Oh là là. La calamité que je suis. C'est toujours le droit de pêcher des poissons sauf moi. Ah putain du varech. Pardon, j'ai un gros mot. Excusez-moi. J'ai pêché du varech. Hit! Je déteste la pêche, je déteste les gens, je vous jure, c'est horrible. Ce n'est pas normal. Encore du varech. Je suis la pire pêcheuse de la terre. Ah mais non! Ah, je vous jure, la pêche, c'est un calvaire. J'ai la moitié des prises à chaque fois, c'est horrible. On sait quand j'ai des trucs comme ça, là, comme le varech qui sert à rien. Bon, si, ça nous restera un peu d'énergie de santé, mais bon... À l'allure là du jeu, ça nous sert plus à rien, quoi. Allez, j'en veux au moins un. Ok, bon alors là, j'ai fait un truc de naze, de naze, de naze, de naze. Allez! Un poisson au moins! Ouais, bon, ok, c'est terminé, j'ai même pas pêché un poisson, quoi. Félicitations, Hello, pour ton manque de... De talent! Ouais, on va dire ça, de talent. Wow, ça fait beaucoup de poissons. Quelle odeur! Et maintenant, désignons le gagnant du tournoi de pêche de cette année. Bah, c'est Willy. Elle sera pas moi. Willy avec 5 gros poissons frais. Bravo! Voilà tes récompenses, Willy. Profites-en. En tout, je savais que ça allait pas être moi. Hein. Voilà, ce sera tout pour le Festival des Glaces de cette année. Merci à tout le monde d'être venu. À présent, on ferait bien de relâcher ces pauvres petits poissons. Je n'ai pas gagné la compétition, mais c'était quand même bien marrant. Il est temps de rentrer à la maison. Ouais. Marrant, oui. C'est une façon de voir les choses. Hein. Écoutez. Voilà, quoi. On n'a pas de talent. Écoutez, voilà. Hein, faut assumer. Pourquoi tu mets la canne à pêche alors que j'ai le four dans la main? Allô? Allô, le monde? Non, mais il est sérieux? Ah, qu'est-ce qu'il a, ce truc? Ah, d'accord.
Bon, bah écoutez, il veut pas que je le pose. Bah, très bien. Écoutez. Ah! Ah non, mais c'est bugué à ce point-là! C'est quoi cette blague? Les gens, on est d'accord qu'il y a une blague là, qu'il y a un truc qui va pas. Je suis pas cinglé. Bon. Ça, je le vends. Mais c'est quoi ce délire? Là-dedans, je vois rien. Les crabes, je vais les vendre. Bon, le varech, franchement, pareil. Et les champignons, pareil. Parce qu'il faut qu'on se fasse un peu d'argent quand même, malgré tout. Hop. On va essayer de remettre un lingot à cuire. Non. Bon bah écoutez, c'est bugué. Je sais pas le jeu ce qu'il a là, mais franchement, c'est du n'importe quoi. J'espère qu'on va pouvoir au moins dormir. Donc on aura fait la deuxième journée. Écoutez, on aura descendu 5 niveaux dans la mine. On aura fait quelques quêtes au niveau des Géminos. Et bah, on aura été au festival des glaces. Écoutez, bah voilà, c'est plutôt pas mal. Donc on a récupéré 1200 sur les 2500 qu'on a dépensé au niveau du pack. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt ça de fait. Donc voilà, on va s'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la semaine prochaine, les problèmes avec le jeu seront réglés, histoire que l'on puisse avancer correctement. En attendant, portez-vous bien, profitez bien des fêtes de fin d'année. Je vous fais des bisous et à la prochaine. Bye bye à tous!